Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui randonnée avec Sport Plus. On est au niveau du jas du Melet, des Melettes je crois, qui se trouve dans le Ventoux, bien au-dessus de Sainte-Colombe. Voilà, on est à peu près à 1150 mètres de hauteur. Et on part pour une randonnée qui va faire un peu plus de 14 km et 600 et quelques mètres de dénivelé. On part avec 9, on est 9 en tout. Voilà, et on se dirige vers le rocher de l'Aiguille. Voilà, qui sera un endroit sympa à voir. Et voilà, une forme, une boucle. Voilà, on part, il est 10h15 et il fait beau. Allez, c'est parti. Non. Ah bah oui, parce que là je vois rien. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Ah bah oui. Vu. Regarder là. Vu sur le sommet. Légèrement couvert de neige. Belle vue sur le mont Ventoux, même un peu de sorte de nuage qui s'accroche à un léger voile de neige, mais léger. Hein. Ouais, c'est très chouette, vraiment. Allez, on est parti pour une descente un petit peu technique. Voilà, faut juste regarder où on met les pieds pour arriver ensuite tout en bas pour prendre la combe de Fiol. Voilà, mais le paysage est magnifique.
Bon, le chemin est étroit, mais bon. C'est... Ah, il y a un chien. Ah ben oui. Il y a une dame là-bas. C'est passé ? Non, non, pas spécialement. Ah, je m'en rappelais plus. On va rien dire. Pas de commentaires. C'est là où il devrait être un chien, en fait. Je suis pas sûr que c'était le meilleur chemin, mais bon. Allez-y, passez. Oui. Passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Bah là il y a un peu de neige, c'est un peu gênant quoi, mais oh, prends par là, non. Oui, oui. Bon, il n'y aura que ce petit passage-là, un peu compliqué, hein, mais après... Today might be the day I become a statistical mistake. I'm afraid. Today might be the last day that I awake. I bleed, you bleed. I need, you need my tears for but don't mean that much. I can't breathe. Just let me breathe. Allez, nous allons arriver à la combe de Fiol pour la dernière côte de la journée. Là, nous sommes au niveau de voilà, Combe de Fiol à 1149 mètres. Elle est très jolie, la combe de Fiol. Ça grimpe. Pour l'instant, c'est une montée tranquille. Mais normalement, ça devrait augmenter le pourcentage dans quelques temps. Voilà, elle fait à peu près un peu plus de 2 km cette combe. Et elle va terminer à l'endroit où on va prendre le pique-nique. Mais très jolie, belle falaise, assez ouverte. On s'approche du rocher de l'aiguille, particularité de cette combe. On y arrive dans un moment. Allez, tout à l'heure.
Today's the day I find out just how much you care. I'm scared. Today's the day my value's lost and I'm not aware. My sin. Faire une bataille de boules de neige, c'est maintenant. Une grosse tête. C'est ça quand on est intelligent, une grosse tête. Ça sera coupé au montage. Ah non. On vient de terminer la combe de Fiole. On a dû ralentir parce que. On a dû accélérer parce que Raymond allait trop vite. Et là, le vent se lève et il fait froid. J'ai mis les gants et franchement, c'est pas du superflu. Bon, là c'est un boulevard. Hein. Là vous devriez récupérer facile. Au gîte Léon Lagrange, ils m'ont dit ça fait des cadeaux dans le champ. Nous on est 25 et on a une salle de 220 mètres carrés. Oh, vas-y, attention. Attention. Lâche tout. Des cailloux. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais, si ça vous dit, hein, on peut y aller. On est pas loin, à vol d'oiseau. Ouais, allez, on va regarder ce ventoux. Hein. Ah, c'est chouette. Hein. Ça, on est pas loin, mais bon, t'as peut-être 300 mètres, au moins, hein, pour y aller. Hein. Au revoir. Au revoir. Je vais retourner.
maintenant avec, avec mon, mon futur VTC. Ah là, là oui, là oui. Non mais là, 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 oui. Ouais. Pas trop mal dans les jambes. On te dit oui, tu vas nous commander. Sûrement demain. Parce qu'on fait la régine, qu'on boit beaucoup d'eau. Et là. Allez, Jas de Roussas, on arrive à la voiture, 1 km 300, soyons précis. Belle rando, je pense que c'était le moment idéal pour aller dans le Ventoux, même s'il y avait un peu de vent, mais on a une belle luminosité, on a eu des beaux points de vue sur le sommet, vraiment une chouette balade. Allez, on continue pour aller jusqu'aux voitures. Fin de la randonnée. Voilà, on aura fait donc 14,6 pour 778 mètres de dénivelé. Voilà, belle rando. Ça a bien monté tout le long. Enfin, surtout sur la première partie de la matinée. Mais bon, on est tous arrivés, c'était super. Voilà, beau paysage, très varié. Voilà, c'est vraiment chouette rando. Bon, et ben maintenant on rentre à la voiture qui est juste derrière moi et on rentre à la maison. Allez, à bientôt à tous et puis n'hésitez pas à vous abonner hein, sur ma chaîne pour avoir les différentes vidéos que je poste tout le long de l'année. À bientôt. That love will someday come around.